Un dernier élément dans cette édition. À l'instar de toutes les autres sélections africaines et du monde, les écureuils du Bénin vont livrer des matchs amicaux pour le compte des journées FIFA du mois de septembre 2022. Mais avant ces échéances qui les opposera avec le Madagascar et la Mauritanie, notre rédaction vous propose un feedback sur les prestations du 11 national ces 9 derniers mois. Après la performance réalisée en mars 2022 par les écureuils du Bénin à l'occasion du tournoi Antalya Cup disputé en Turquie, Moussa Latoundji et ses poulains en terminant champion à l'issue de 3 matchs sans défaite dont 2 victoires et 1 match nul ont réussi à créer un climat de confiance entre eux les joueurs, l'instance fêtière la FBF et le peuple béninois. Un regain de vitalité qui venait à point nommé après la non-participation à la CAN Cameroun 2022, l'élimination aux portes des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 et surtout la non-prolongation du technicien français Michel Dussuyer. Mais la joie ne sera que de courte durée et le regain de vitalité, un idéal très tôt éclipsé, puisque cette même formation va reprendre avec l'enregistrement des mauvais résultats, et ceci lors des matchs à enjeu significatif. 2 défaites en autant de matchs disputés pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024, le premier face au Lion de la Teranga, actuel champion d'Afrique, et le second face au Mamba du Mozambique. Le dernier mauvais résultat enregistré à domicile n'a véritablement pas été au goût des supporters. Déçu à bas, puisqu'on s'y attendait au moins se relancer à nouveau dans la compétition avec la Mozambique qui était plus ou moins prenable. On ne peut que faire avec. Il n'a rien produit de bon sur le terrain. Au fait, la défaite contre le Sénégal, on peut comprendre ça. Mais une défaite contre cette équipe du Mozambique à domicile, c'est inadmissible. C'est dégueulasse. Franchement, 2 matchs, 2 défaites à la CAN. Vraiment, c'est très grave. Ce n'est pas bon pour l'image du Bénin. Moi, je vais passer par ce canal pour dire aux autorités de revoir le staff technique et de revoir l'entraîneur. Franchement, ça ne peut pas aller comme ça. 2 matchs officiels, 2 défaites jusqu'à la maison, à domicile. Les juniors nous ont montré beaucoup de choses. Et aujourd'hui, regardez, les juniors sont allés déjà à la CAN, en Égypte. Et voilà aujourd'hui là où nous sommes. Franchement, c'est décourageant. Tout le public, regardez tout le monde en train de crier. Ça, ce n'est pas possible. C'est écœurant, hein. Je vous assure, on nous a fait croire qu'on a une équipe au top. Comment la Mozambique était à la portée du Bénin aujourd'hui. C'est du gâchis. Sincèrement, ça m'a touché. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. Je vous jure, je ne peux même pas parler. Mais c'est rien, ça va changer. On a des joueurs plein. Il y a le requin d'Atlantique, il y a des joueurs à Bomé, à Poïko, partout un peu dans notre pays, au Bénin ici. Vous voyez un peu. Maintenant, on laisse tous ces joueurs. On nous proposait les joueurs de 2e division, 3e division. On a des attaquants qui ne peuvent même pas reçu une bonne tête. Je vous jure, il faut que je vous dise la vérité. Hein? Quelques-uns d'entre eux n'ont pas hésité à s'en prendre au bus de l'équipe nationale à la sortie du stade. Plusieurs dégâts matériaux et 2 joueurs grièvement blessés. Tel est le bilan de cette situation. Plusieurs mois après cet incident, qu'en est-il du moral de la troupe et quel est l'état d'âme du sélectionneur national par intérim Moussa Latoundji? Des interrogations auxquelles les réponses ne vont certainement pas tarder, car la fenêtre FIFA du mois de septembre 2022, au cours de laquelle les écureuils vont livrer 2 matchs amicaux face au Baréa du Madagascar et au Morabitoun de la Mauritanie, est bien là. A cet effet, Moussa Latoundji peut tout de même se frotter les mains. La raison, le retour du meilleur buteur des écureuils, Stéphane Sesseyon, absent depuis 2 ans, pour inactivité en club. Un retour diversement apprécié par les reporters sportifs. Mes impressions sont un peu mitigées parce que c'est vrai qu'on connaît Stéphane Sesseyon, mais et on se pose beaucoup de questions. 2 ans d'absence, 2 ans sans activité. Est-ce qu'on aura le même Sesseyon? Stéphane Sesseyon a cette carrue de patron des écureuils du Bénin. Il va amener un peu plus de sérénité dans le groupe, c'est une évidence. Voir Stéphane Sesseyon 20-25 minutes dans un match avec les écureuils du Bénin dans ce milieu de terrain, ça peut toujours apporter un plus parce que la technique, il ne l'aura pas perdu. La vision de jeu, il l'aura toujours. Après, c'est à lui de trouver le sens du déplacement qu'il faut pour s'économiser beaucoup plus et apporter un vrai plus à cette équipe. Donc pour moi, je ne suis pas choqué de voir Stéphane Sesseyon. Aujourd'hui, il est un club. Donc c'est logique qu'il soit là. Il doit être au niveau de la sélection, apporter également sa petite pièce, c'est-à-dire ce qu'il a comme expérience. On va les espérer sur ces 2 matchs-là, à Rabat au Maroc, pour voir véritablement ce qu'ils vont donner ces écureuils-là. Faut-il le préciser ?
Pour le compte de ces matchs amicaux de la fenêtre FIFA septembre 2022, les écureuils du Bénin affrontent Madagascar et la Mauritanie. Des adversaires qui ne sont pas inconnus ni nouveaux pour le 11 national. Si face au premier, les écureuils totalisent 2 victoires en 2 confrontations, face à la Mauritanie, l'équilibre est partagé. 3 matchs disputés, 1 victoire pour chacun des pays et 1 match nul.